Là où fin créer un document, c'est toujours première étape là. Mais faut qu'on capable enregistrer document ça, sans façon leur besoin document pour retravailler, soit apporter une modification pour capable faire. N'a pas salué, n'a pas bienvenue dans vidéo ça, nous allons montrer ensemble de façon où capable enregistrer un document qui pour utiliser le personnel, qui pour partager ensemble avec l'autre monde. Li ka gen accès modifié, le constat ou capable d'accès pour modifier. C'est tout ça on a gen pour apprendre dans vidéo ça. C'est pourquoi abonner faire ça qu'on a et activer notification. So let's go. Gen plusieurs façons capable enregistrer un document et plusieurs formats. On t'a parlé des formats déjà et que vous capable juste cliquer dans description, on obtient une vidéo qui beau plus détails sur ça. L'important pour penser surtout là pour enregistrer un document, à qui format pour enregistrer si c'est pas seulement qui utilise ce document ça. Son façon pour monde qui va l'utiliser là, c'est pour qu'on ait version 2010 là, c'est la version qui plus bas tant que 2003 etc. Gain façon capable enregistrer même si mon n'a pas gain n'importe version plus bas que 2010 là, il pas gain problème pour capable ouvrir document ça. Dans informatique gain ça que le collaboration faut penser à l'autre monde qui va l'utiliser là tout, c'est pas seulement même. On garde plusieurs façons capable enregistrer un document en Word. Première façon d'enregistrer un document en Word, c'est simple, c'est juste cliquer sur le bouton en bas de petit accès rapide là enregistrer. Ou qu'à cliquer là ou bien m'aller dans backstage là, on choisir enregistrer ou bien enregistrer sous ou qu'à faire dans clavier à tout contrôle plus S ou bien baiser F12 directement n'importe dans ça ou à mener dans espace ça. Et une fois arrivé dans l'espace ça, on gagne option pour capable choisir un répertoire qui côté pour capable mettre document maintenant. Il est toujours important pour connaître qui côté pour mettre document son façon là au besoin pour connaître qui côté ou pour aller chercher. On va chercher un répertoire. On va apprendre. Là côté moi le bail non. Word automatiquement il prend première ligne là. Dans le document que m'a traité à première ligne là il prend rivé juste dans n'importe signe de ponctuation qu'il t'a créé à si entre en nous et apprendre t'es gain un tiret t'es gain une virgule m'tap gain seulement en nous dans espace ça m'pap gain en nous apprendre et c'est côté faire enter tout comme après en nous apprendre c'est premier côté m'te faire enter ça veut dire m't'aller à la ligne et tout bon tout en nous apprendre là moi seulement ça m'gain faire c'est enregistrer une fois finalisé document dans bas de titre là li gen nom que ou te bay document. N'a fait expérience ensemble avec un autre fichier, ou cliquez sur fichier enregistrer ou bien faire contrôle S ou même faire F12 la même côté a. Là comme pas gen ken titre en dans document, li pa ban li juste une doc 2. Et n'a regardé dans bas de titre là, li gen document 2. Ça veut dire ou même ou pral bay document pour la nom dans espace ça. OK. Et qu'on a simplement voulu enregistrer le document ça pour partager avec un monde qui pas gagné version que m'a utilisé. Ça veut dire mon n'a pas connu vivre dans version que m'a utilisé. On parle dans backstage là et puis vous marqué enregistrer et envoyer. Dans espace ça, les bombes tout ça qui gagne rapport avec partage document surtout. Comme m'a enregistré le format que un monde ca utiliser. Après, m'a cliqué sur modifier le type de fichier, enregistrer et envoyer, modifier le type de fichier. Dans l'espace ça là, il y a tout format qui possible pour me capable enregistrer un document. On peut enregistrer le docx qui c'est version 2010 là même, open document. On peut enregistrer tout dans format 97-2003. On peut enregistrer en tant qu'un modèle ou bien si on enregistrer sous format RTF, laisse aller même son document tant qu'il était créé dans WordPad. C'est toute option ça ou m'gen en dan enregistrer envoyer les malin dans modifier le type de fichier. Mais si toutefois on connaît type de fichier que me besoin enregistrer ya, on connaît qui version li, on connaît type là, on pas besoin vin là, on ka juste faire enregistrer sous dans type on choisi doc 97-2003. On clique sur li, on fait enregistrer. Mais là qu'on y a m'gen deux documents. Il y a un document qui enregistré en format 97-2003 qui porte extension doc.doc doc. Il y a un document qui enregistré en format 2010 qui porte extension docx docx. Et si je prends même document ça, je pourrais porter une modification là-dedans.
Donc modification ça me botte ya pas besoin à le faire enregistrer son encore laisse à son modification ces modifications m'a fait on peut juste faire contrôle S ou bien cliquer sur fichier enregistrer ou bien juste cliquer dans bas d'outil d'accès rapide là sur enregistrer automatiquement on fait ça document modification me botte dans ça il porte seulement dans document qui enregistré dans format 2003 mais il pas gain rien à voir avec document qui était enregistré en format 2010 là. On ka enregistre document ça tout son façon pour moun ki pral utiliser document ça pas gain accès modifier. Et pour ka faire ça gain deux formats qui plus utiliser c'est XPS ensemble avec PDF. Mais PDF la plus utilisé toujours. Pour faire ça, ou cliquer dans fichier, on clique sur enregistrer envoyer. Là on ka choisir faire directement envoyer en tant que PDF, laisse ça map trouver soit par fax soit par email, mais plutôt on va juste aller dans l'espace là, me dit créer un document PDF XPS. L'infini me cliquer sur créer PDF XPS, li en XPS automatiquement. L'aime faire ça, les bam deux options seulement, c'est soit m'enregistrer en PDF ou bien m'enregistrer en XPS. Mais si on connaît type de fichier besoin qui c'est moi-même besoin PDF, ça me ca fait on juste aller on cliquer dans fichier on cliquer dans enregistrer sous et puis dans type on choisit PDF. Voilà qu'on est là, les aller dans chemin ça les bon tout format qui disponible que me ca enregistrer un document sur lui. M'a choisi PDF et puis me fait enregistrer. Et une fois que finalisé document les tout ouvert et on a pris son document qui est normal qui fera sauf que modifier document ça pas facile. Rappel pour faire pour c'est que là où enregistrer un fichier en format doc 97/2003 ou pas gain accès à toute fonctionnalité qui dans Word 2010 yo. Par exemple là m pas gain accès à effet de texte encore parce que format ça pas gain option ça la donne. Si vous enregistrez un document en format 2003, toujours mettez en tête que gain fonctionnalité que vous pouvez mettre dans document ça, il y a un autre qui en 2003 pas qu'à utiliser fonctionnalité ça. Merci, c'était Sandy Bouté pour aujourd'hui. On a demandé vous connecter ensemble avec nous pour cette vidéo et puis à la prochaine.